doctor! Where's the doctor? Doctor who? Bonsoir et bienvenue dans Dr. What, le podcast qui vous parlera du docteur, mais jamais, au grand jamais, de la Macarena. Attention, je vous ai à l'œil. Alors, Non, pas du tout. Bah, on en a parlé la dernière fois. Presque. Comment vous allez? Ça va, bien. Et toi? Bah écoute, ça va bien. Moi, je suis triste, je m'attendais à Dr. Quince, mais bon, c'est... Alors, on l'avait dit, c'était une blague. Hein. Bah, si tu, vraiment, je pense que si tu insistes un tout petit peu, Pomme te rejoint. On peut faire un spin-off de Dr. What. Les vendredis où on sort pas Dr. What, Dr. Who, on peut sortir Dr. Quinn, je pense. Tous les deux, quoi, par contre. C'est jouable, ça va même être facile. À... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Pas beaucoup. Où on le fait que en stream, tu sais. Ah oui. Allez-y, on vous regarde. Ah oui, moi je ferai pas autre chose. Moi je ferai que regarder. Hein. Ah, si déjà tu regardes, c'est sympa. Bah ouais, ça nous fait au moins deux vues, c'est gentil. Je suis pas vache, je lurque. C'est gentil, c'est gentil. Ah oui, ok. Allez, de quoi qu'on va parler ce soir? De Doctor Who. Oui. Ah ouais. C'est vrai qu'on est là pour ça. C'est ça. T'as pas une virgule à mettre? Ah oui. Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Alors Zu, de quoi qu'on parle ce soir? Eh ben on va parler de La fille qui attendait, ou The Girl Who Waited, un épisode sorti en septembre 2011 sur la BBC et en octobre 2012 par chez nous. Il a été réalisé par Nick Huron, il a été scénarisé par Tom McRae, à qui on doit Rise of the Cybermen et Age of Steel, donc ce double épisode-là, qui était vachement bien. C'est pas un épisode de Superman, Age of Steel? Non, c'est Man of Steel. Ils ont un truc là, mais c'est pas la même. C'est pas la même chose, tu vois, qu'ils ont sur le. Dans cet épisode, on a donc Matt Smith qui joue le 11e Docteur, Amy et Rory. On a aussi Imelda Staunton qui prête sa voix à l'interface vocale du centre des deux courants. Elle est plus connue pour son rôle de Dolores Umbridge dans la saga Harry Potter, ou encore la reine Elisabeth II dans The Crown. Ah ouais. On reconnaît pas du tout sa voix. Et ben, ouais, en VF, on reconnaît. Ils ont appelé ça les deux courants en français. Oui. Oui. Pourquoi c'est comment en anglais? C'est Time Stream. Les Two Stream. Non, c'est ils disent Two Stream. C'est Two Stream Facility. Non, si, c'est bon. Non, j'ai cherché qui faisait la voix française, voir si c'était la doubleuse habituelle, et j'ai trouvé zéro info sur le sujet. Ah, ça c'est chiant, les doubleurs comme ça, enfin en tout cas les comédiens de doublage par rapport aux voix off, etc. Moi aussi c'est une horreur pour trouver exactement, mais je trouverai, et ce sera l'occasion d'une question pour la Gallifrey Academy. On le mettra dans les détails de l'épisode. Exactement. T'as un mois pour trouver, t'as deux semaines pour trouver. Bon, ça va, ça va le faire. Bon, et de quoi que ça nous parle? Eh ben, le docteur emmène Amy et Rory à la visite d'une nouvelle planète. Au moment d'arriver, Amy a oublié un truc dans le TARDIS. Et quand elle revient sur la planète, eh ben, elle prend la mauvaise porte et se retrouve sur une ligne temporelle différente. Et donc, eh ben, il va falloir que tout ce beau monde se retrouve. Et ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Pomme, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode? J'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu le recommandes? J'ai beaucoup aimé cet épisode. Il m'a beaucoup fait pleurer aussi. Et en fait, je m'y attendais pas parce que je m'en souvenais très peu. Je me souvenais vaguement de l'histoire, mais globalement pas tellement. Je ne me souvenais absolument pas de la fin. C'est un épisode pour lequel je pense que Dr. What a fait du bien à Dr. Who. Ce qui n'est pas courant, mais Dr. What a fait du bien à Dr. Who. Et aussi, c'est ce que je disais sur Twitter, si vous me suivez, Dr. What fait beaucoup de bien à Rory, en fait, parce que c'était un personnage que j'aimais bien, mais comme ça, et le fait de devoir regarder avec attention, j'aime profondément ce personnage. Voilà.
Donc j'aime beaucoup cet épisode. Bah, c'est sûr qu'en plus, au fur et à mesure de cette saison, on va dire qu'il y a une tendance où Rory, ça devient, il devient de plus en plus intéressant et le docteur devient un peu plus, de plus en plus con. Et même, je sais pas si c'est juste l'écriture de Rory ou si c'est l'acteur en lui-même, mais je trouve qu'il, je sais pas, il a pris de l'aisance, de l'assurance. Il a plus l'air d'être chez lui dans Doctor Who qu'au début de saison, par exemple. Et je sais pas si c'est juste dû à l'écriture, j'ai l'impression que l'acteur est plus à l'aise aussi. Après, c'est peut-être qu'une impression, hein, mais voilà. De ce que j'ai pu voir sur les making-of, les trois étaient quand même infernaux ensemble. Ah oui, toujours. C'est le trio infernal. Donc c'est peut-être juste l'écriture du personnage qui est bonne et qui donne cette impression. Non, mais justement, comme ils s'éclataient tous les trois ensemble, peut-être que ça a aidé... Ça a peut-être mis un petit peu de temps à venir. Ils étaient pas. C'est peut-être ça aussi, le fait qu'ils n'avaient pas cette relation de l'enfer. Comment dire ? Le chaos n'était pas rond. Peut-être. Ah, vraiment, la vidéo de Matt Smith, Arthur Darville et Karen Gillan qui chantent un chant de Noël au piano, ah oui. qui traîne sur YouTube, est ahurissante. Vraiment, c'est le chaos incarné. Quand ils font les conventions, quand ils faisaient des conventions à trois, ils arrivaient toujours à un moment où ils commençaient à chanter le refrain de Queen, enfin le moment où ils partent dans les aigus, etc. Et toutes les conférences, ils faisaient ça. Tous. À chaque fois qu'ils allaient, quand ils étaient tous les trois dans la même conférence, à chaque fois, il y avait ce moment-là. Et ça rendait les gens hilares. Ils étaient heureux de les voir aussi unis, quoi. From where? From the beginning. The bit that goes to the fun bit. From, I see, okay. From where? Guys, we're wasting time. Where I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, can you do the Fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Galileo, 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 let him go. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor Format, de ton côté, cet épisode. Eh bien, je l'aime bien, cet épisode. Après, je trouve que tout va trop vite. Mais tout est justement placé. Il y a juste quelques petits points qui me sont réfractaires, mais après ce n'est que mon avis, bien évidemment. Les moments entre Amy et Rory sont très intéressants, mais après, pour ne pas spoiler, je reviendrai plus tard sur d'autres points entre les deux qui m'ont un peu chagriné. Embêté, quoi. Ok. Mais sinon, globalement, ça reste une très bonne histoire, très bien ficelée, très bien menée. On est tout de suite dans l'action. Et je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Après, il y a des petits ressorts scénaristiques qui sont très très drôles. Mais voilà. Mais je l'avais pas oublié et je suis content de l'avoir revu. Ok. Ok, ok. Zu ? On tombe vite dedans et. J'en avais un souvenir assez neutre, c'est-à-dire je me souvenais que c'était pas mal, mais voilà, sans plus. Et j'ai passé un très bon moment et je suis très content de l'avoir revu. Doctor Watt a fait du bien à Doctor Who. C'est bien quand ça va dans ce sens-là. Absolument. Et toi, Grand Poil ? Eh ben un peu comme toi, j'avais un souvenir plutôt neutre de l'épisode. Pareil, hein, soit au moment la première fois que je l'ai vu, j'étais pas à fond dedans, j'étais pas très concentré. Mais là, en le revoyant, c'était vraiment très cool. Et le fait aussi de regarder cette saison dans le détail, c'est ça qui me fait dire aussi que la relation entre le docteur et ses compagnons, elle atteint des... Un peu plus, on va dire, avec le prochain épisode, mais en tout cas, elle commence à atteindre des sommets de ce qui va casser, quoi. Donc on sent la préparation, on sent le docteur qui change, qui était déjà un peu, dans les précédents épisodes, qui commençait déjà à avoir un peu ce côté, cette arrogance dont je parlais juste avant. Et ça se confirme de plus en plus et ça monte vraiment dans cet épisode-là. Je sais. Donc vraiment très très bon. Arrogance, je sais pas si j'aurais utilisé ce mot, mais... C'est peut-être pas le bon, mais c'est le seul qui me vient pour le moment. Mais il y a un peu ça, il y a l'arrogance, il y a un peu de froideur, il y a un peu de... Il y a quelque chose qui se trame. Bah, on en parlera en fin de soirée et dans deux semaines pour les gens qui nous écoutent en podcast. Ok, très bien. Tout le monde a donné son avis, là ? Oui. Oui. Oui, tout le monde a donné son avis. Pomme, on attend la virgule et puis tu vas pouvoir y aller. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Le résumé, donc. Alors moi, j'avais fait un mini résumé, je trouve plus précis que celui de Zu tout à l'heure, mais après, vous me direz. Donc, c'est Amy, un jour, elle est montée dans le TARDIS du docteur. Fallait bien que ça tourne mal un jour. Pauvre Rory, fin. Moi, je trouve que ça résume bien l'épisode. C'est vrai.
Il fallait que ça arrive. Il manque peut-être un ou deux détails un peu importants. Oui, mais bon, on peut pas tout raconter non plus. Il faut aller au plus direct. Au pire, aller voir l'épisode. Allez voir l'épisode. De toute façon, allez voir l'épisode. Ouais, j'aurais peut-être dû scroller un peu plus bas et juste prendre ce résumé-là. Alors, pour parler des coulisses de l'écriture du résumé, j'étais très déçue parce que j'ai mis cette connerie. Puis je vous ai dit, c'est bon, j'ai écrit le résumé. J'ai écrit le résumé ailleurs pour vous laisser le temps de voir ma connerie et de réagir. Ah oui. Et le temps que j'en vienne avec mon résumé, personne n'avait réagi. Parce qu'on n'était pas venu, on n'avait pas lu. Enfin. Comme du on avait coup, vu l'épisode, on n'avait pas besoin de relire ton résumé. Bah, j'avais dit, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai rien oublié? Oui. Bah oui, bah, pas voilà. Le temps. T'es tombé, donc, à un moment, un des rares moments où on travaille. Du coup, j'estime que tout est dit. Eh ben, on passe à la suite. C'est quoi les infos en plus? Alors, non, il n'y a pas de virgule. Alors, c'est parti. Nous sommes à bord du TARDIS. Amy, Rory et le Doc s'octroient des vacances bien méritées dans le deuxième lieu le plus touristique du moment, Appalachia. Appalachia. Say it again. Appalachia. 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 What a beautiful word. Sauf que, évidemment, ça ne se passe pas bien. Sinon, on n'en parlerait pas, de toute façon. Les voilà dans une pièce blanche face à une porte blanche. C'est trop propre, c'en est suspect. À côté de la porte, il y a un bouton vert et un bouton rouge. Pendant que Amy va récupérer un truc dans le TARDIS, Rory appuie sur le bouton vert, la porte s'ouvre. Lui et le docteur rentrent dans une pièce blanche, la porte se referme. Pendant tout ça, Rory est très... allez, dans quoi il nous embarque encore? Oui. On sent et qu'il puis, sent que ça va pas se passer. Elle va chercher son téléphone quand même, Amy. Hein. Elle veut son téléphone pour prendre des photos, oui, parce que... Oh, ouais, tu pour poster sur Twitter. Quand c'est la première fois que tu le vois, tu sens vraiment clairement le moment où ils vont se séparer. Ah ben, oui, ah alors là, j'ai oublié un truc derrière. Partez devant. Ah bah, indéniable. Oui, bah, ça va bien se passer, indéniable. Quand Amy arrive, Rory lui dit à travers la porte, puisque la porte s'est refermée, lui dit à travers la porte d'appuyer sur le bouton. Elle appuie sur le bouton rouge, la porte s'ouvre, elle se retrouve dans une pièce identique, donc parce qu'il n'y a qu'une seule porte, sauf que cette pièce est vide. Il y a là une loupe, une sorte de loupe géante, et par cette loupe géante, on voit l'autre pièce. Donc d'un côté, il y a Amy, de l'autre, il y a le Doc et Rory. Alors que quelques secondes se sont écoulées pour nous, le Doc et pour Rory, pour Amy, il s'est passé une semaine. Et elle est un peu agacée. Une semaine dans une pièce blanche, bon. C'est ça. A priori, ils n'ont pas besoin de manger, donc ça va, c'est plutôt... Il y a compression du temps, donc elle se rend pas compte, la faim, tout ça, elle ressent pas. En fait, c'est même pas ça, c'est que le pourcent, en gros... Enfin, c'est là où il y a des moments où il faut... En gros, le temps passe à la même vitesse, c'est juste que son corps ne s'en rend pas compte. Mais c'est chelou parce qu'elle va quand même vieillir. Elle n'a pas besoin de manger, mais son corps va quand même vieillir. Oui, alors, ouais, bon, ça, on en reparlera. Donc, c'est un Doctor Who. Oui, voilà. Le Doc explique... C'est pour ça que des fois, à vouloir donner trop d'explications... Tu te gâches ton effet parce que tu dis des trucs contradictoires. Ouais, et à partir du moment où tu as chopé un truc contradictoire, c'est dommage, tu sors un peu. C'est ça. Donc le Doc explique, un peu paniqué quand même, hein, qu'elle est dans une pièce dans laquelle le temps passe plus vite, mais il va la sortir de là. Pendant ce temps, Rory essaie de négocier avec un robot tout blanc qui vient de débarquer, qui veut savoir combien de temps ils vont rester. Tout le monde crie et... Générique. J'oublie. Recule, pomme, recule. Donc, en fait, le robot a des mains, comme des vraies mains, quoi. Et il s'en sert pour scanner la pièce. Il bon. S'en sert même du... Ça sert, c'est ses yeux, en fait. Ouais, ça sert à scanner, à oui, voir... Voilà, c'est oui, j'ai pensé labyrinthe de Pan, ouais, c'est ça. Venez sur Twitch pour voir Zu faire le monstre du labyrinthe de Pan. Bon, Rory sort de la pièce et va appuyer sur l'autre bouton, du coup, pour retrouver Amy. Il est un peu saoulé, genre, oh, putain, mais Amy, il y avait un bouton vert, un bouton rouge, évidemment, t'appuies sur le rouge au lieu du vert. En même temps, il avait qu'à lui dire, au lieu de lui dire appuie sur le bouton, il avait qu'à lui dire appuie sur le bouton vert. Enfin, bah, il a bien vu, lui aussi, qu'il y avait deux couleurs. Il va chercher Amy, donc il sort de la pièce où il est, la porte se referme, il appuie sur le bouton rouge, et donc la pièce est vide. Donc il revient dans la partie où il y a le TARDIS, il re-appuie sur le bouton vert, la porte s'ouvre, le Doc est bien là, ça a pas bougé. Parce que je me souviens que la première fois, je me suis dit, putain, ils vont se retrouver dans trois pièces différentes, ça va être relou. Donc, bah, le c'est robot, un peu ce qui arrive au final. Ouais, ils sont pas dans trois pièces différentes.
juste après, bientôt aussi. Oui, bon. Donc le robot qui est toujours là leur apprend que la planète est sous quarantaine à cause de la peste d'une journée, c'est-à-dire une peste qui s'en prend aux races à deux cœurs, et quand on l'attrape, on en meurt en une journée. Mais là, ça va, ils sont dans les zones stériles. A priori... C'est quand même très pratique, comme, oui. Très ciblé comme maladie. Alors, de ce que j'ai compris, mais j'ai pas forcément compris, il y a énormément de monde sur cette planète. De ce oui. que oui. donne le tous nombre... en quarantaine. Le doc ne peut pas aller plus loin sans risquer de mourir, c'est Rory qui va partir à la recherche d'Amy. Mais ça ne va pas être simple de la retrouver. Elle doit sortir de la pièce où elle est à l'heure actuelle, se rendre sur la planète et attendre que Rory vienne la chercher. Avant de disparaître derrière une autre porte, elle dit à Rory qu'elle l'aime. Le doc a embarqué... Oui. Le doc a embarqué la loupe, donc il l'a arrachée, et... l'a fixé sur Amy, alors pas physiquement du coup, ça avec son screwdriver là, ça ne montre que Amy partout où elle va. Pour aider à la... c'est, du coup le but c'est d'aider à la retrouver. Il file des lunettes munies de caméras à Rory et hop c'est parti. Amy il se a son petit Rory bot. C'est ça. Le drone Rory. Amy se balade sur une planète vide. Il y a une interface vocale, elle a l'air amicale, donc c'est là la voix de machin. Non, vous allez pas redire le nom du coup. Vous allez me laisser avec machin. Je ne sais plus, tiens. Pour... De l'actrice là qui a joué dans Harry Potter et The Crown. Ah oui, Ombrage. Voilà. Excusez-nous. Bon, bah, c'est pas Ombrage, le nom de l'actrice. Imelda, voilà. Oui, Stanton. Voilà, c'est ça. Exactement. À ne pas confondre avec du Stilton, du fromage. Ah, c'est du okay. Roquefort anglais. Donc Emile se balade sur une planète vide, il y a l'interface vocale qui a l'air amicale, mais les robots essaient de la tuer direct avec un sérum censé être bienveillant. Et ça, le docteur lui avait dit, attention, ils ne savent pas qui tu es, ils ne connaissent pas ta race, donc ils risquent, de, sous prétexte d'être gentils, de te tuer. Quoi. Ton vaccin médicament peut te flinguer, donc n'essaye pas. Donc, finit la balade pour Emile, elle se terre et attend qu'on vienne la chercher. Quelques minutes plus tard, Rory débarque. Il tombe sur une Emile qui a mal vécu ces quelques minutes. Pour elle, il s'est passé 36 ans, 3 mois et 4 jours. 36 ans, 3 mois et 4 jours de solitude et de lutte pour sa survie. Elle est en rage contre le docteur qui l'a abandonné. Rory, lui, il a retrouvé Amy. Vieille ou pas, il s'en fout, c'est Amy. Jusqu'à ce qu'il lui balance qu'elle n'est plus comme son Amy à lui. Oui, bon, bah en 36 ans, les gens changent, hein, voilà. Bah oui, puis regarde, en plus, elle a une belle armure avec des morceaux de robot, elle a trouvé une épée. Exactement. Grâce à la loupe, enfin surtout elle est amère et un peu vénère, on peut la comprendre. Grâce à la loupe que Rory se trimballe, il peut voir son Amy qui pleure désespérée. Il peut voir le passé d'Amy, son présent à lui, enfin bon c'est un peu... Voilà. Méli-mélo passé au temporel quoi. C'est ça. Il essaie de convaincre la vieille Amy, que j'ai changé de nom après, je ne l'ai plus appelée la vieille Amy, je l'ai appelée Amy la guerrière. Il essaie de convaincre Amy la guerrière de sauver Amy la jeune. Elle accepte à condition qu'elle aussi soit sortie de là et emmenée dans le TARDIS. Elle ne veut pas que tout ce qu'elle a vécu disparaisse, que ça ne soit jamais arrivé et que donc elle disparaisse, puisque c'est ce qu'elle a vécu qui fait qui elle est. Amy la jeune ne deviendra jamais cette Amy là sans vivre les mêmes événements. Le doc est ultra pas chaud, mais il dit qu'il a trouvé une solution. Et effectivement, par le truchement de la magie du scénarium, Amy la jeune et Amy la guerrière se retrouvent dans la même pièce. Et évidemment, Rory va instinctivement plutôt vers celle qu'il n'a pas vue depuis 15 minutes. Logique. Après, voilà, c'est le scénarium. Alors, juste, c'est le TARDIS qui maintient le paradoxe d'avoir deux Amy au même endroit. C'est ça. Oui. Amy la guerrière tente des œillades et de faire du charme, mais elle ne se fait pas vraiment d'illusions. Pauvre Amy la guerrière. Après franchement, c'est du vieillisme, ça. C'est clair. Après quelques péripéties... Bah, oui et non, parce que Amy, au début, il s'en fout qu'elle ait vieilli. Le problème, c'est qu'elle n'est plus celle que lui connaît. Oui, oui. Et je pense que c'est ça, plus, qui fait que bah, il a plus la même personne en face de lui. Ne commence pas à dire du mal de Rory. Ok, c'est bon, on se détend là. Après quelques péripéties face à des robots qui les ont repérés, ils arrivent enfin au TARDIS. Rory, pourtant, Amy la jeune comme un chevalier qui sauve sa belle. Amy la guerrière couvre leurs arrières, tue des robots, et quand elle court enfin vers le TARDIS, oui.
Alors, il la porte juste parce qu'elle s'est fait anesthésier par les robots. C'est pas juste en mode, c'était pas une jeune fille en détresse qu'il fallait transporter. Non, c'est vraiment, il lui arrivait un malheur. Quoi. Alors, au moment où je l'ai écrit, ça me paraissait évident que c'était pour ça, mais effectivement, comme je l'ai pas écrit, c'est pas évident du tout. Ouais, c'est mieux. That's better. Effectivement. Donc, Amy la guerrière couvre leurs arrières, tue des robots, et quand elle court enfin vers le TARDIS, le doc la regarde et ferme la porte. Oh, et il a un regard à ce moment-là, punaise. Oh, alors, la noirceur. Tu le dis pas juste avant, mais le doc avait promis que le TARDIS pourrait supporter d'avoir les deux Amy. Bah oui. Hein. Donc vraiment, qu'il savait pertinemment dès le moment où il l'a dit qu'il était en train de mentir juste pour en sauver une des deux. Mm. Rory est ultra vénère. Il en veut au docteur. Le docteur fait un move un peu de bâtard et en même temps, je peux le comprendre, parce que lui, il a dû prendre une décision à un moment. Elle ne convient pas à Rory, donc à Rory de prendre une autre décision. Après tout, pourquoi pas. Et donc, il prend la main de Rory, il la pose sur la poignée du TARDIS en disant, en gros, il lui dit, il ne pourra pas y avoir les deux en même temps dans le TARDIS. Tu choisis. Donc, il est impossible d'avoir les deux Amy dans le TARDIS. Rory va pour ouvrir la porte. Donc, il choisit d'ouvrir la porte à Amy la guerrière. Mais de l'extérieur, elle lui dit de ne pas le faire. Et dans une scène qui fera chialer tous les mâles alpha de la planète, Rory accepte de laisser mourir Amy la guerrière. Parce que même si ce n'est plus sa Amy, c'est Amy. Et Amy, qui a attendu Rory pendant les 36 dernières années, 3 mois et 4 jours, accepte de disparaître. Alors... Alors justement, je pense que c'est important de noter la nuance. C'est pas qu'elle accepte de disparaître, c'est qu'elle lui dit, elle dit vraiment à Rory, n'ouvre pas cette porte parce que je partirai, je me laisserai pas faire. Si tu ouvres la porte, je rentre quand même. On va se battre. Je vais rentrer. Et je ferai pas ce choix-là. Oui, mais du coup, en lui disant n'ouvre pas la porte, sinon quoi qu'il arrive, c'est moi qui gagne. Elle accepte. Elle accepte son sort. Elle comprend en fait. Elle accepte que c'est quand pas même possible. Son sort. Le truc étant que avant de rentrer dans le TARDIS, elle a jeté ses armes loin d'elle, donc. Là, elle est entourée des robots. Elle a plus de quoi se défendre. C'est foutu, quoi. Elle sait que c'est foutu. Ouais. Et bordel que cette scène est triste. Mais je m'y attendais tellement pas. Je m'en souvenais tellement pas. À tel point que j'ai dû revoir l'épisode pour écrire le résumé. Et que quasiment au départ, quand j'ai revu l'épisode, j'ai commencé à chouiner. Je me suis dit, tant pis, je vais le faire de tête. Je ne revois pas cet épisode. Donc, c'est pas fini. Amy la jeune, donc on est dans le TARDIS. Amy la jeune finit par se réveiller et demande où est Amy la guerrière. Gros plan sur le docteur qui tire la tronche. Moi, à ce moment-là, je n'ai pas trop su savoir décrypter ce regard et cette moue. Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, l'épisode finit sur ça. Je pense pas je vois pas de l'inquiétude moi dans cette fin avec le docteur. Tristesse quand même un peu parce qu'il a il sait que quelque chose se brise avec cette décision mine de rien. J'ai compris cette moue en regardant l'épisode suivant. Mais au moment où j'ai écrit ça vraiment j'arrivais pas pour le coup j'ai revu juste cette petite fin puisque j'ai récupéré le son et vraiment j'arrivais pas à ce moment-là à savoir non mais inquiet dans le sens inquiet justement de plus faire partie du groupe. Ah oui. Il y a quelque chose qui s'est cassé parce que pendant longtemps Amy elle était plutôt tournée vers lui puis après il y a eu un équilibre entre Amy et Rory entre le Doc et Rory et que là ils sortent un peu ils sont un duo maintenant ils sont un couple quoi ils sont plus un trio petit à petit. Ils ont eu un enfant et je pense que ça a tout changé. Pour moi, la découverte de River en tant que fille, je pense que ça a changé beaucoup de choses, en fait, pour le couple et pour la relation qu'a le docteur avec River. Parce que la relation avec Amy, même si Amy dit que c'est son meilleur ami, il y a quand même une relation qui s'était bien établie. Et dès qu'on apprend que River est en fait la fille et que le docteur fait tout pour la retrouver, déjà, il les abandonne une première fois. Et du coup, je pense que c'est un peu déroutant pour le couple qui se retrouve d'un coup tout seul à rentrer chez eux... En sachant que le début de la saison, je pense, annonce déjà ça, parce qu'on voit Amy et Rory qui sont seuls chez eux, quoi. Ouais, non, ça, à mon avis, ça en fait partie. Ouais. Bon, voilà, l'épisode est fini. Et ben voilà, on a chialé, c'était bon. Ah là là, qu'est-ce qu'on a chialé, hein. Est-ce que vous voulez rajouter un petit truc sur cet épisode ou on passe à nos petits. Les points qu'on a relevés, les petites discussions? Eh ben, je te laisse la parole. Et ben régulièrement on trouve enfin les intros de Doctor Who sont un peu longues et les conclusions un peu précipitées
Et bah là, l'intro, en deux coups de cuillère à peau, c'est le bordel, c'est fait, quoi. C'est trop bien, on est en plus sur une connerie. Enfin, sur une connerie. Oui, oui. Sur, non, mais c'est... L'aventure peut surgir c'est de pas, n'importe où. C'est pas... C'est ça qui est bien dans Doctor Who. Il s'appelle... C'est pas Moffat qui a écrit l'épisode. Non, ça non, se non, sent. Point, Ben, ça sent, ça recentre l'intrigue sur les trois personnages, il n'y a que ça. Et même si ça a une importance pour la suite, il n'y a pas vraiment de fil rouge du reste de la saison dedans. Ils auraient pu mettre cet épisode à d'autres moments pour accent pour... Et oui, puis surtout, comme Terreur Nocturne. Et puis surtout, ouais. Si c'était Moffat qui avait écrit cet épisode, Emilia Guerrière ne serait pas morte à la fin. Non. Bon, en tout cas, il l'aurait fait mourir, mais revenir après. On l'aurait pas su. Ouais, c'est ça. Voilà, comme la fille du docteur, mais chut. Aussi avec elle. Bref, on en parlera plus tard. C'est pas pour aujourd'hui. Exactement. Je te laisse le prochain point, parce que je le comprends pas en plus. Amy se planque, donc Amy la guerrière se planque pour échapper au robot pendant 40 ans dans des moteurs temporels qui permettent de maintenir les différentes temporalités d'isolement alignées. Parce qu'en fait, cet endroit, c'est pour que les gens qui ont chopé cette maladie qui va les tuer en 24 heures, leur temporalité. Bah, en 24 heures, toute leur vie est concentrée en 24 heures, ce qui leur permet de quand même vivre toute leur vie, et pour leurs proches, de les voir mourir en 24 heures. Mmh. Ouais, mais ouais, au moins, ouais. Ils ont vécu toute leur vie, tu vois. Tu vois, il y a ce côté... Ils appellent ça une bienveillance. Je sais pas, hein, je suis mitigé sur cette bienveillance de voir les gens vieillir et crever. Bah, ça peut, après, t'es pas obligé. Tu vois, t'attaches pas à la chaise à aller regarder... Tu peux en plus les laisser... crever dans leur coin tout seul. Ah bah oui. Et donc les moteurs temporels qui maintiennent un peu tout le bordel et qui permettent à Amy de se planquer, ça ressemble quand même vachement à des centrales à charbon. Et je trouve que dans un futur lointain, dans une galaxie très très lointaine, c'est hyper chelou. Voilà. Ok. Pomme. Bah justement, donc là sur le fait qu'elle se cache pendant longtemps, il y a un travail de vieillissement du visage d'Amy qui je trouve est très bien fait. Au niveau du visage, c'est pas grotesque, c'est tout à fait plausible. Par contre, elle a toujours les sourcils épilés au poil de cul, les cheveux n'ont pas bougé, ses vêtements ne sont même pas abîmés. Ils sont vaguement en bataille, ouais, ils sont vraiment un petit peu. Ouais, ils étaient en bataille dès qu'elle s'est mise à courir au tout début. Hein. Ses mains et son cou sont tout lisses, donc vraiment, ils avaient de la thune que pour le visage. Et par contre, j'ai l'impression qu'elle a un peu modifié sa voix. Quand elle fait Amy la guerrière, et qu'elle a une voix qui est un peu plus posée, un peu plus grave. Et, elle a eu un coach pour sa voix, même pour sa posture, pour la façon de se déplacer. Ah ouais. C'est pour ça, ils ont tout mis dans le coach. Ils pouvaient pas faire les mains. Bah, je crois qu'au départ, ils voulaient choper une autre actrice. Oui, oui. C'est dans les infos en plus. Et elle a dit bah ah pardon. Pas de problème. Je me demandais où je l'avais lu, et en fait, c'est parce que j'ai lu les infos en plus. Non, moi, j'ai lu le livre de David Torres pour voir de quoi il parlait là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai l'info. Mais ouais, sinon, le travail de vieillissement du visage est vraiment pas mal. Et pour quelqu'un de 58 ans, elle est vachement bien conservée. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils ont vieilli que le visage. Non, mais même le vieillissement du visage. Bon. En parlant de ressorts scénaristiques, je trouve que le moment où Rory sort de la pièce et qu'il fait « Oh là là, Amy !» et qu'il met 3 heures à appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte derrière et qu'on découvre qu'il n'y a plus rien et qu'en fait, ils ont juste changé 2 stickers et fait sortir Matt Smith de la pièce, je trouve ça très rigolo. Mais on sent très bien qu'il y a genre un moment où il compte dans sa tête en disant « À 10, il faut que j'appuie sur le bouton pour que la porte puisse s'ouvrir. » Comme ça, je suis sûr que Matt Smith, il n'est pas là, quoi. Et qu'ils ont changé les ronds. Ça, on le sent très bien les 2 fois où ça le fait. Enfin, voilà. C'était mon avis personnel. Mais tu vois, je m'étais même pas posé la question. Clairement, les décors, ils sont à l'économie parce que c'est tout blanc, c'est des couloirs, c'est machin. Mais autant, tu vois, ça, pour cette partie-là, ça pose une vraie ambiance. Ah oui. C'est vraiment très bien fait. C'est pas, ça n'a pas l'air spécialement cheap. Tu sens qu'ils sont dans le même exactement. Décor. Hein. Mais c'est bien fait. C'est le même décor, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'il a vraiment le moment où il attend. Et il fait « Oh là là, Amy, t'es vraiment trop bête d'avoir appuyé sur le bouton rouge. » Hop, et là, il va sur le bouton rouge et là, il l'appuie genre 3 secondes. Hop, la porte s'ouvre. « Oh, ben dis donc, il n'y a plus Matt Smith et maintenant, il y a des ronds rouges sur les murs. »
Enfin bref, moi, ça m'a fait rire. Mais c'est marrant parce que tu parlais des décors. Vraiment, dans ces décors-là, moi, je m'attends à voir arriver des non-chats. Oui, complètement. Oui. Mais oui, c'est oui, normal. Oui, il y a un petit ça. C'est aussi dans les infos en plus. Ah bah, oh, on est trop. Mais il y a de la cohérence. Y a, le ressenti c'est... est bon. Exactement. Le ressenti exactement. Est bon. Je plus sois. Depuis quand se faire vacciner est devenu un acte de bonté? Pour une fois que Dr. Watt n'est pas trop dans l'actualité. J'ai pensé à ça, désolé, j'étais obligé d'écrire cette phrase parce que... ça m'a fait penser à ça. La dernière fois, on était avec des poubelles, on était en plein dans l'actu et là, on est un peu moins dedans, mais voilà, ça m'a fait rire. T'en fais pas, dans le prochain épisode, ils vont taper sur un Minotaure qui veut être déifié avec des casseroles. On est bien dans l'actu, non? Bah, elle est pas mal, hein, c'est vrai, pas c'est mal. Vrai. Ça devient dangereux de posséder des casseroles. Exactement. Zut, tu aimes les dilemmes? Oui, en tout cas, celui-ci, tuer Amy pour sauver Amy. Mm. C'est quand même... c'est... Rory qui est... C'est une décision dure de mettre ça. Personne ne voudrait avoir ce genre de décision à prendre. Non, mais tu vois, il y a des personnages qui sont moralement ambivalents et tu les mets face à ces décisions-là et ils prennent des décisions. Le docteur. Le docteur. Ouais. Ah, il hésite pas. Oui, bien sûr. Mais tu vois, je pensais plus à un Jack ou même à une River ou enfin des personnages qui sont moins loyal bons, tu vois. En l'occurrence, tu vois, même que ce soit Jack ou alors River, je sais pas trop, mais Jack, tu vois, je le verrais galérer à prendre cette décision. Il a tué son petit-fils. Qui l'apprend sans hésitation. Jack. Oui. On en a déjà parlé, j'ai le droit de le dire. C'est pas spoiler. Oui, c'est vrai. Mais bon, je pense quand même que Jack aurait plus de mal à prendre cette décision que le docteur ne le après, fait. Après, le docteur... Pour moi, c'est le docteur. Pour moi, le docteur, c'est pas qu'il a choisi de sacrifier Amy pour sauver Amy. Enfin, il a pas choisi entre deux Amy. Il avait promis à Rory de sauver Amy et il a tenu sa promesse. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Mm-hmm. Rory, à la fin, avant que Amy se réveille, il lui dit « Vous saviez que vous pouviez pas la sauver ?» Et le docteur répond « Je t'avais promis de la sauver, elle. C'est ce que j'ai fait. » Mais je pourrais pas être à la place de Rory, je meurs sur place. Déjà, je sais pas choisir des trucs de merde de la vie de tous les jours. Et moi donc. Alors ça. Il y a un petit moment pour alléger un peu la situation. Il y a un petit moment quand même marrant où t'as Rory qui demande au docteur, mais deux et demi ensemble, ça peut fonctionner? Et le docteur qui lui répond, c'est votre mariage. Ils essaient quand même de garder une ambiance un peu détendue jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que la fin est d'autant plus dure et déchirante. Hein, c'est que terrible. Tout le long, même toi, tu te dis, c'est bon, il va se démerder. On a déjà vu le docteur. Les lois du temps et de l'espace, ce serait pas la première fois qu'il les casse. Et d'ailleurs, ça rappelle les doubles mini-zobes de Time and Space. Exactement. Il y a deux Amy aussi. Ah. Et où le docteur dit qu'il faut résoudre la situation. Sinon, Rory, tu vas rester bloqué avec deux Amy pour toujours. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vois passer dans les yeux de Rory la panique, la pensée du plan A3 et il se prend une grosse baffe. La pensée du plan A3, d'accord. Je pensais à la panique. Mais, non. Je pense qu'il y aura un peu des deux. Il y a un move, il y a un truc avec Rory là que j'ai pas compris un choix. Quand il a les lunettes, il traverse une galerie où il y a des statues et tout ça. Ouais, et il y a une statue et il bloque sur les seins de la statue. Je trouve ça un peu abusé. Enfin, ça fait pas Rory quoi. Ce côté ado pervers. C'est une statue avec des boobs, enfin, je sais pas, c'était gratuit. Après, peut-être que juste, il regardait la statue, elle lui a prêté juste des intentions alors, qu'il avait pas. Après, forcément. Ça fait un rebond scénaristique, puisque là, le docteur lui dit Rory, lève les yeux. Puis quand il retrouve Amy, la guerrière, pareil, il fixe ses seins et elle lui dit relève les yeux, soldat, un truc comme ça. Après, c'est pas tant qu'il fixe les seins, c'est-à-dire que Rory fait partie de cette catégorie de personnes qui a plutôt le regard qui descend. C'est-à-dire que quand il marche, il regarde par terre, il regarde pas en l'air, tu vois. Et donc, évidemment, quand t'es face à un truc et que tu regardes une statue, pardon, quand je dis un truc, je parle de la statue, pas de l'ennemi. T'es en train de me dire que t'as eu des réflexions, Zu, c'est ça? Non, mais... Tu veux qu'on en parle, Zu? Ça t'est déjà arrivé qu'on croit...
Non, ça mais non, mais il faut savoir que dans le mini-zode dont Zu parlait, Time and Space, s'il y a eu un souci avec le TARDIS, c'est que Amy était en jupe et que Rory était en train de regarder sous le verre du TARDIS, en dessous, dans là où il y a la console, et qu'il a vu sa culotte, quoi. Quel petit pervers. Donc, en fait, moi, ça m'a pas choqué, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Moi, ce qui m'a un peu choqué, et ce que je trouve complètement... c'est l'époque qui veut ça, mais comme par hasard, Amy, elle a un rouge à lèvres pour écrire « Docteur, I wait you here ». Comme par hasard, elle a un rouge à lèvres dans sa poche. Et quand Amy revient, et cette scène-là aussi, c'est pareil, hein, elle sort le rouge à lèvres, genre « je vais me refaire féminine ». Quoi. Enfin, alors, je trouve, pour moi, c'est un manque de tact de la part soit du scénario ou soit du choix. Ce qui me saoule, c'est une femme, donc forcément elle a un rouge à lèvres dans sa poche, quoi. Alors moi, j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui nous écoutent et qui mettent du rouge à lèvres. Ça se périme, et au bout de 36 ans, on ne remet pas un rouge à lèvres qui a 36 ans. C'est un coup à faire une réaction terrible et à finir à l'hosto. Ouais, c'est un coup à avoir des lèvres de poète, comme ça, c'était là. Le point prévention, voilà. Merci Jean-Luc. Je pense que c'est pour ça qu'au final, elle ne le met pas d'ailleurs. Elle se rend compte. Non, 36 ans. Allez, vas-y, Pomme, parle-nous de ton animal de compagnie préféré. Ah, le robot animal de compagnie qui s'appelle Rory, il est fabuleux. Il est fabuleux parce que, en fait, donc, Amy se retrouve toute seule pendant 36 ans, 3 mois et 4 jours. Et elle a réussi à modifier un des robots pour qu'il ne soit plus agressif. Elle lui a enlevé les mains, en fait. Et elle a dessiné un visage qui sourit et une petite mèche, elle l'a appelé Rory. Et donc c'est son animal de compagnie, Rory le robot. Et c'est mignon triste. C'est mignon triste, et puis c'est un peu... En fait, c'est encore une confirmation qu'on avait vu un peu... Comment dire ? En début de saison, elle était vraiment plus vers le docteur, et là, vraiment, elle est de plus en plus... C'est Rory et personne d'autre. Elle est vers Rory. Mmh. Vraiment, elle penche complètement vers Rory, c'est vers le docteur elle a du ressentiment envers le docteur, mais pas envers Rory pour ce qui lui arrive. Exactement. À aucun moment, elle en veut à Rory. Parce qu'au début, quand Rory arrive, elle dit « Vous m'avez abandonné ». Mais en fait, c'est le seul moment où elle lui reproche. Mm. Après, c'est le docteur. Elle lui dit d'ailleurs au docteur, puisque Rory a des caméras dans ses lunettes, et le docteur peut voir et entendre ce qui se passe, et du coup elle regarde les lunettes en disant je sais que vous êtes en train de regarder, vous m'avez abandonné, vous m'aviez promis, etc, etc, etc. Vraiment la haine, et je pense que ça aussi le docteur ça l'a je pense que c'est aussi pour ça que il fait en sorte de sauver l'autre Amy, celle qui ne le déteste pas encore. Ouais, qui a pas encore de... il choisit celle qui ne le déteste pas, celle qui croit encore en lui. C'est... Je vais juste rebondir sur ce que tu disais sur le robot, sur Rory le robot. Parce que le jeu de mots est quand même très très cool. Elle l'a désarmé. Elle lui a retiré les mains. Ouais, elle l'a désarmé. Ok. Voilà. pour une fois qu'il y a un jeu de mots qui fonctionne et en français et en anglais, exactement pareil, et qu'en plus il a été probablement bien traduit, il faut c'est le souligner. Je l'avais pas du tout compris d'ailleurs, mais bon. Et en plus, moi ça me fait rire, voilà. Ben, alors, merci. Tu disais qu'elle en voulait pas à Rory, mais elle l'a quand même enguirlandé parce qu'elle l'a attendu 36 ans, mais Rory n'a jamais rechigné quand il l'a attendu 3000 ans à côté d'une petite boîte, enfin d'une grosse boîte, quoi. Lui, il a jamais rechigné. Et la différence, fois, elle gueule. Ouais, mais il était plastique. Alors, à ce moment-là. La différence, c'est que Rory a choisi d'attendre à côté d'Amy. Alors que Amy, on lui a demandé d'attendre qu'on vienne la chercher. Ça fait une différence. Amy, ouais, elle a subi. Ouais, Rory n'était pas obligé d'attendre. Là, je crois que le doc lui avait proposé de monter dans le TARDIS et d'aller directement à la fin. Ouais, donc, Rory n'était pas seule. Et Rory n'était pas seule et en danger constant. Il y avait de l'humanité autour de lui, il y avait de la vie. Ouais, mais quand même. Rien que de pouvoir aller acheter ton café. Enfin, je sais pas si le plastique boit du café, mais après, je pense que c'est aussi pour ça que elle en veut. Quand... de toute façon, Rory, elle l'engueule tout le temps. Ça fait partie de leur relation, donc ça me choque pas plus que ça. Mais je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elle en veut au docteur qui passe son temps à la faire attendre et pas à Rory qui lui a attendu pour elle justement. Le docteur, il a jamais attendu Amy. Ouais. Il prend son TARDIS et il va à la fin de l'histoire. Bah oui, mais c'est toujours ce qu'il a fait. Donc c'est aussi à Amy d'arrêter de placer une foi inconditionnelle en docteur. Ah ça, c'est un grand débat.
Bah ouais, je veux dire, tout le monde détestait Martha à cause de ça. Hein. Mais moi, je l'ai pas détesté, Martha. Hein. C'est vrai. Ah, moi non plus. D'accord. Moi non plus. Docteur Watt, Docteur Watt a fait du bien à Martha. Et oh, je suis pas Audrey. Hein. Moi, Martha, j'ai toujours pris sa défense. Hein. Non, c'est moi, vrai. Moi, je trouve que le personnage de Martha, il était justifié et très intéressant. C'est dommage Absolument. Qu'il ait été sous-exploité. Mais pour moi, Martha aurait mérité plus d'une saison pour l'évolution de son personnage. Ouais, surtout que l'évolution du personnage de Martha a lieu que dans les deux derniers épisodes, ouais. Globalement. Tout le reste mais de bien la sûr. Saison a été. Bien été sûr, constant, et puis après dans Torchwood et la fin de la saison 4, bien évidemment. Mm. Donc, et en pleine saison 4 aussi, hein, quand elle est dans Unit, etc. Mm. Ouais. Mais c'est le quotidien de toutes les compagnes, même Donna qui ne s'était pas amourachée du docteur, avait une foi aveugle en lui, en fait. Ouais. Hein, quand on le voit dans son premier épisode, enfin dans son deuxième, du coup, quand elle le recherche et qu'elle suit l'adipose et qu'elle le retrouve, pour elle, c'est elle a retrouvé ce qui la faisait vibrer, quoi. Mais on en parlera dans l'épisode dans deux semaines de la foi en le docteur. Exactement. Je voulais juste faire un petit clin d'œil. Non, mais t'as raison. Tu as raison. Voilà. Je voulais juste rajouter que on parlait des moments drôles dans l'épisode, et je trouve que ça fait du bien que Rory soit drôle de lui-même, et pas parce qu'il est Rory en fait, avec ses gaffes, etc. Et je trouve que lorsqu'il fait rire Amy et tout, enfin on rit pas de lui, voilà. Et je trouve que l'évolution du personnage est très intéressante dans ce sens-là. Moi, je veux un spin-off, la vie normale d'Amy et Rory. Voilà. Et si un jour j'ai des Yorkshire, je les appellerai Amy et Rory. J'ai décidé ça en regardant cet épisode. Des puddings. Écoute, on va t'offrir des Yorkshire. Ou des... Ouais. Ou des les chiens à gros cul. Les shih tzu. Les shih tzu. Les chiens à gros cul. Les cheddar. Les fromages. Les corgis. Amy et Rory, les corgis. Les cheddar. Cheddar, c'est dans Brooklyn Nine-Nine. C'est le nom du corgi dans Brooklyn Nine-Nine, cheddar. Les cheddar. Pardon. On est passé du Yorkshire pudding au cheddar, vraiment. C'est... Toute la gastronomie et anglaise. Bon non, tout à l'heure, le Stilton, pardon. Tout à l'heure, vraiment, c'est vrai. On parle beaucoup de bouffe. Allez, un petit mignon, et puis après, je te laisserai pomme. Vas-y. Le dernier. Zu. Bah, on avait dit qu'on parlerait pas de Macarena, mais en fait, si, quand même un peu. Parce Allez, que... je vous l'accorde. C'est la seule. Vraiment, c'est tellement mignon. Et pour le coup, c'est tellement Rory. Oui. Que leur premier baiser ce soit sur la Macarena. Exactement. Alors je pense qu'il faut juste préciser la scène, oui. Quand même, c'est que, oui, pour que les deux Amy se retrouvent dans le même courant temporel, il faut qu'elles aient toutes les deux la même pensée extrêmement forte et commune. Et là on les voit toutes les deux dire Macarena, Macarena. Et tu fais. Et elles dansent la Macarena. Ouais, elles font la chorégraphie. Et là t'as Rory qui dit ah mais oui c'est vrai, notre premier baiser était sur la Macarena. Et ça Rory ça a dû lui faire du bien au fond de son cœur. Parce que la pensée commune, encore une fois, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle pense au docteur, par exemple. Ou à sa rencontre avec le docteur quand elle était petite, parce que c'était quand même un point de fixation pendant très très longtemps dans sa vie. Ouais, ouais. Donc on aurait pu s'attendre à ça. Pas, ouais, non. Et non, c'est son premier baiser avec Rory. Et, ça aussi, je trouve que ça marque un passage, une modification. Et en parlant de modification... Ben, Rory ne change pas, lui. Et quand il sent que le docteur agit sur lui, à un moment donné, il est très énervé. Ben, quand il faut choisir entre les deux émis... Pas à la fin, plutôt dans l'épisode. La première fois qu'on parle du fait qu'il faut choisir entre les deux Amy, Rory crache au docteur, vous me rendez comme vous, mais avec une haine, au moment de le dire, vraiment présente. Ah oui. Mais non, c'était très fort. C'est très, ouais. Très fort. Ouais. Ah, Rory. Non, mais c'est bien, il s'affirme, il se laisse plus faire par le docteur. Bientôt, il conduit le TARDIS. Ah bah écoute... Bientôt, il aura sa propre équipe. Maintenant, hein, maintenant il est daron. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut qu'il gère, hein. C'est fini de se faire marcher dessus. Mais ce sera demain. Ce sera demain. Je sais, avec là, les jambes de demain. Zu a fait une blague, mais il n'y a que moi qui l'ai comprise, je pense. Ah, j'ai pas écouté. Parce que Arthur Darville joue dans une autre série qui s'appelle Legends of Tomorrow, où il est un voyageur temporel qui a un vaisseau et qui recrute des super-héros à travers l'histoire. C'est ça. Pour et maintenir l'équilibre et du temps. Son personnage, c'est franchement Rory qui a pris, qui a eu une descente d'organes. Et c'est bien, vous recommandez? Vraiment, c'est Rory à qui on a laissé le TARDIS. Ouais, aussi, ouais. Et qui est devenu vous badass. Vous recommandez?
Les premières saisons. Ouais, c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo. Ça se prend pas la tête. Ça sait que ça fait de la, ça sait que ça fait des conneries, mais il s'amuse. Et ça donc, se... ça reste agréable à regarder. Ça se visionne quelque part facilement. Là, sur Netflix. Netflix, vu que c'est dans le même univers que Flash et compagnie. Ouais, c'est sur Netflix. Ok, c'est noté. Merci. C'est littéralement noté. Franchement, je sais plus c'est quoi le pilote et les premiers épisodes, mais je pense que tu vas. Il y a moyen quand même de kiffer de le voir arriver et faire ça. Franchement, la première fois que j'ai vu le truc, j'ai fait oh là là. Cet acteur, je l'ai vu dans très peu de choses. En gros, je l'ai vu dans Doctor Who et dans Broadchurch, et je suis pas sûr de l'avoir vu ailleurs. Mais à chaque fois, je l'aime beaucoup. Eh ben, on a fini notre petit tour. Oui, absolument. Il nous reste à choisir les moments. Enfin, est-ce que vous avez choisi votre moment préféré de cet épisode? C'est le moment où Rory dit à Amy qu'il s'en fiche qu'elle ait vieilli. Ce qui lui fait mal, c'est qu'ils n'aient pas vieilli ensemble. Et je trouve que la phrase, elle est très belle. C'est très pipou. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas revoir l'épisode en entier. Ouais. Enfin, la deuxième fois pour faire le résumé. À cette phrase-là, je lui fais... ouais, ouais, c'est bon, j'ai déjà pleuré il y a deux jours. Bah moi j'avais du mal parce que il y avait des trucs faciles comme ça, et en fait moi j'ai beaucoup aimé, alors même s'il y a eu un petit côté cheap, mais j'ai beaucoup aimé Amy la guerrière qui affronte tous les robots. Moi j'aime bien que vous ayez tous adopté le Amy la guerrière, voilà. C'est mon moment choisi. Non. Mais oui, putain, elle est badass de suite, elle arrive à rentrer dans le truc et Ouais. Bah d'ailleurs, moi j'aime bien la conversation entre Amy Jeune et Amy la guerrière, justement pour Rory. Tout le monologue, parce que pour moi c'est pas un dialogue, c'est un monologue, hein, qu'elle se fait à elle-même, c'est vraiment t'es sûr qu'il en vaut la peine? Bah ouais, c'est quand même Rory, quoi. T'en as fait un robot, mais moi c'est moi c'est toujours l'homme de ma vie, quoi. Donc et j'ai trouvé ce moment beau et magique à la fois. J'ai trouvé que l'image était un peu cheap quand même, avec les deux Amy côte à côte. Ça faisait un peu amour, gloire et beauté. Il y avait un petit côté flou sur l'image. Mais en fait, je trouve que... Tout avait été mis dans le maquillage. En fait, je trouve que l'effet, il est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'on a la même actrice qui interprète deux rôles différents, enfin, le même rôle. Et donc, du coup, pour voir le reflet de l'une, ils se servent de la loupe... tout en voyant l'autre véritable à travers, enfin je trouve que la loupe est très 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 rigolote, enfin très bien utilisée, je trouve. Ça fait cheap, mais j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime dans Doctor Who, de toute façon, c'est quand tout est cheap. Mais ouais, Amy la jeune arrive à convaincre Amy la guerrière de la sauver, elle, donc de sauver Amy la jeune par amour pour Rory, en fait, pour dire mais Rory va être trop malheureux, tu exactement. Peux pas lui faire ça. C'est exactement ça. Alors moi, c'est le revisionnage qui m'a fait choisir mon moment. Et c'est quand Amy quitte la salle blanche pour aller sur la planète. Elle dit à Rory qu'elle l'aime et de venir la chercher. Et par contre, elle n'a pas un seul mot ni un seul regard pour le docteur. Alors que le docteur doit quand même aider Rory. Donc elle pourrait dire « Venez me chercher », les poncho boys, là. Et, et je pense que c'est la première fois... Et donc, bah, j'en ai déjà parlé, pour moi, c'est pas anodin. Et ça me rappelle le moment où... alors, c'était pas l'épisode précédent, c'était celui d'avant encore, quand le bébé vient de naître et puis qu'il disparaît en yaourt, là. À ce moment-là, quand le docteur arrive, je sais pas si vous vous souvenez, mais le docteur arrive parce qu'il vient de comprendre ce qui va se passer. Quand il arrive, ça s'est déjà passé. Il va vers Amy pour lui toucher l'épaule, pour la réconforter. Et elle se détourne, en fait. Il y a que Rory qui compte à ce moment-là. Et ça m'a un peu fait penser à ça. Il y a quelque chose qui se finit, qui est clair, et ou qui change en tout cas. Et voilà. Et je trouve que ce moment où, voilà, où elle dit à Rory qu'elle l'aime et qu'ils viennent la chercher, au lieu de « ils viennent la chercher », c'est pas anodin. Très bien. Terrible, alors, terrible épisode. C'est pas l'épisode de la joie, hein, ça c'est sûr. Ah non. Aïe. Non, non, non. Ah, il nous en reste encore un tout petit peu. On vous met une virgule et puis on part. Non, hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. Et il est arrivé trop tard. Hein. Non, il était parfait. Moi, je le trouve parfait. Seigneur. Alors, du coup... Et on va passer au moment que vous avez raté. Vas-y, enchaîne avec ça, ouais. Si c'est la première fois que vous n'avez pas vu l'épisode, mais pas nous. Je vais le faire à la place de Grandpa, parce que Grandpa, il est vraiment il en train de digresser aujourd'hui. Sa blague était tellement drôle en même temps. Il est à fois avec ses canards et tout. Faut que je respire.
Alors, il y a quelques petits points, on va vraiment, qu'on a relevé. Alors, le titre de l'épisode fait référence au surnom que le docteur donne à Amy quand elle passe sa première nuit à attendre dans son jardin. Amelia Pond, hein, parce qu'à l'époque, elle préférait qu'on l'appelle Amelia. Alors, le hall où Amy se trouve et lorsqu'elle rencontre l'interface pour la première fois est en fait tout simplement le décor qui avait été utilisé dans l'hôpital New York dans l'épisode New Earth. C'est surprenant. Oh là là, c'est trop étrange. C'est fou. Écologie, réutilisation. Écoute, hein. On va pas jeter. Hein. Économie. Il y avait un point qui m'a beaucoup fait rire, enfin fait rire, que j'ai trouvé très intéressant de relever. C'est la troisième fois qu'on voit la Joconde dans l'univers de Doctor Who. La première fois dans l'épisode iconique City of Death avec Romana et le quatrième Docteur, et la seconde fois c'était dans un épisode de Sarah Jane Adventures, dans l'épisode de Mona Lisa's Revenge. Et je crois que c'est un épisode où des extraterrestres extraient Mona Lisa du tableau et elle a des flingues et tout. Ah oui. Ouais. Enfin, je l'ai pas vu, mais j'ai lu les résumés. Et il me tarde de le regarder. Ça, j'avoue, le pitch a l'air. Ça a l'air rigolo, ouais. Ah oui. Et donc, si je ne m'abuse, City of Death, c'est l'épisode qui a été tourné à Paris. Le seul qui a été tourné à Paris, exactement. Qui a été diffusé pour les 50 ans. Non ? Exactement. Oui, sur France 4. Ah oui, hein, c'est ça. Oui, exactement. Exactement. L'interface propose à Amy de se rendre à Destinland Clom, c'est la planète jumelle de Raxa Coreco Falapatorius, dont Bravo. Vient l'Absor Balof dans l'épisode Love and Monsters. Merci, je l'ai répété. Les lunettes de Rory lâchent quand les deux Amy sont réunies. On vous en a déjà parlé, c'est à cause du paradoxe temporel. Les deux Amy présentes, et c'est l'effet limitant de Blinovitch. D'ailleurs, je crois que le Master avait créé une... Ah ben c'est juste après. Règle numéro 1 de Dr. Moore. Il savait que maintenir le paradoxe des deux Amy serait impossible. Et pourtant, on se souvient du travail de phagocytage du TARDIS par le maître pour rendre il ça possible. Exactement. Dans The Last of the Time. Ça, oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est l'inverse du TARDIS, hein, la machine à paradoxe, hein, forcément. Et cette histoire aussi rappelle le dernier épisode de The Massacre of Bartholomew's Eve, où le premier docteur ne pouvait pas sauver Anne Chaplet, car ça aurait été une altération de l'histoire, et il va aussi mentir à son compagnon Steven, qui lui en voudra plus que Rory lui en a voulu, parce que Steven va décider de quitter le TARDIS à ce moment-là, et partir en disant au docteur « Non mais va te faire foutre, quoi !» Moi, je veux plus vivre ça. Et puis après, il revient quelques minutes après en disant « Non, en fait, docteur, je veux pas rester là. » Ressort scénaristique pour faire entrer Dodo Chaplet, qui était la même actrice qui jouait Anne Chaplet. C'est Doctor Who. Et... Juste avant que tu continues, un petit point. Alors, on va spoiler un comics, mais un petit point du chat, c'est Draco Joe qui nous dit qu'en priori, on apprend dans un comics que c'est Clara qui servira de modèle pour la Joconde. Ah, c'est pour ça qu'elle est ratée. Pardon. Oh, ça tacle à la gorge là. Oh la vache. Ouais, c'est marrant. Désolé. Parce que dans le chat, j'étais en train de dire exactement l'inverse. Vraiment. Dracojo est outré. Soit par ce qu'a dit Zu. Que Clara entre en scène. Alors, dans la série. Du coup, je sais pas si c'est par ce qu'a dit Forma ou si c'est par ce qu'a écrit Zu, mais il est outré. Il a dit qu'il partait là. Non, bah, connaissant un peu Dracojo, je pense que c'est par ce qu'a dit Forma. J'étais obligée, je suis désolée. Gina Coleman est bien évidemment magnifique. Oui, on est en train de perdre tout le monde là. On perd tous nos followers. Supprime, là. Format, supprime. Non, Gina Coleman est une actrice, est une actrice incroyable. Elle est très très belle, bien évidemment. Le ressort scénaristique, c'est Clara. C'est pas l'actrice en elle-même. Voilà. Oui. Tout simplement. Du coup, on revient. On en parlait tout à l'heure, la production avait initialement prévu qu'Amy Hager soit jouée par une autre actrice que Karen Gillan, mais elle a insisté pour jouer les deux rôles et porter des prothèses. C'était donc, une bonne quoi, idée, les acteurs je pense. Vont jusqu'au... Ah bah ouais, je pense que ça, c'est... Ça aurait pas eu le même effet si ça avait été une autre actrice. Ouais. Et il y a juste un petit point que je n'ai pas noté, mais qui est très important, c'est un des rares épisodes de Doctor Who où il y a très peu d'acteurs. Dans un épisode, surtout en New Who, et c'est un épisode un peu Doctor Alone,
En gros, un peu à la Linda ou à la Blink, oui. Ouais, exactement. Comme ça, ils peuvent tourner plusieurs scènes de plusieurs épisodes différents. Genre l'épisode du mois prochain où on a plus de docteurs que d'Amy et de Rory. Bah, peut-être. Peut-être que le docteur tournait l'épisode suivant, mais non, j'y crois pas trop. Pas l'épisode suivant, l'épisode d'après. Ouais. Avec Craig. Ouais. Moi j'aurais des questions sur l'épisode suivant, mais on en parlera dans deux semaines. On en parlera dans deux semaines, exactement. Et enfin, le tout dernier point, la fin de l'épisode, lorsque Amy et Rory, Amy la guerrière et Rory terrible. Sont en train de se tenir l'ombre de leurs mains et se dire adieu, ça rappelle terriblement une scène similaire qu'on a eue dans quelques saisons auparavant, lorsque Rose et le docteur sont tous les deux bloqués dans différentes dimensions. Sauf que Rose et le docteur ne peuvent pas s'entendre. Ils se ressentent visiblement, exactement. Mais ils ne peuvent pas s'entendre. Ouais. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas décrit cette scène. C'est le pouvoir de l'amour. Mais Rory est dans le TARDIS, Amy la guerrière est à l'extérieur du TARDIS et ils sont tous les deux collés au TARDIS. La seule chose qu'ils peuvent voir, c'est par les fenêtres du hall leurs mains respectives. Et donc, la manière dont c'est filmé, c'est le profil d'Amy, le profil de Rory et cette porte au milieu. J'ai vu passer une image en cherchant des images pour les visuels, pour vous annoncer qu'on enregistrait, et rien que cette image, moi, ça me brise le cœur. C'est terrible. Eh bien, on a fait le tour. Absolument. On est arrivé au bout. Au bout du bout. Il nous reste le petit instant promo. Bien oui, Dr. What est un podcast du label Podcut. Vous pouvez découvrir les autres podcasts du label sur notre site podcut.studio. Vous pouvez également nous aider en participant au Patreon sur patreon.com/podcut. Si vous avez envie de continuer la discussion, eh bien, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord qui est en lien de toutes les descriptions de nos réseaux sociaux et de cet épisode, si j'ai pas la flemme de le mettre, mais en général, ça, je le mets. Et puis, bah, bien évidemment, de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez ce podcast, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, etc., etc. Et de revenir dans 15 jours pour parler de The God Complex. Salut! Eh ben, merci tout le monde. On se retrouve dans 15 bye jours. Bye. Dans 15 jours. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Salut. Did you always know it never worked? Saving both Amy's. I promised you I'd save her, and there she is. Safe. Yeah. There she is. Leave you two alone. You all right? How are you feeling? Where is she?